dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe. N'empêche que c'est à cause de chansons comme ça qu'on me demande après, vous êtes pas un peu... Ce ne sont que des chansons. Hein? Regardez ma pauvre portugaise. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins colombine qu'arlequin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en manoir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des gamelles au conscrit, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils. Femme, femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa pelisse, et femme banquière planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minet, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme directeur artistique, une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, car le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir. Femme des gardiens de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des gamelles au menton. Femme, être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, aimer Sissi impératrice, enceinte jusqu'au fond les yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa. Pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au fort jardin et au steward rouler les pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire grandir. Une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, forte idéale, vendeuse aux puces. On a envie d'appeler genre, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Aux femmes des années 80, mais femmes de juste.